désolée. Je suis vraiment désolée. Désolée de te faire attendre. Un instant, Isabelle. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, non. Ne me dis pas que tu sors avec moi comme ça. C'est quoi les problèmes? Ça, ce n'est pas de bons vêtements. C'est vrai? Oh oui, c'est vrai. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Jerry, tu blagues, n'est-ce pas? Tu me vois, moi, plaisanter? Écoute, le vêtement que tu as mis n'est pas du tout bon, je ne le préfère pas. Je te donne l'argent pour acheter les bons vêtements. Et c'est quoi ça? Mon Dieu. Ça, ce n'est pas assez bien pour toi. Isabelle, ça, ce n'est pas du tout bon. Je ne le préfère pas. Je ne le préfère pas. Ce n'est pas des bons vêtements. Oh. Jerry, c'est quoi les problèmes? Isabelle, c'est toi mon problème. Comment? C'est toi mon problème. Est-ce que tu sais là où nous partons? Nous allons à un rendez-vous. Arrivé là, tu verras les femmes de mes partenaires, comment elles seront présentées. Pourquoi tu veux aller me ridiculiser? Écoute, Isabelle, ça c'est pour ton propre bien. C'est vrai, tu n'as pas du travail, je le sais. Mais il faut savoir que si tu dégages un bon parfum, bien vêtu, tu vas mieux apparaître de plus que ce que tu as porté. Ça, ce n'est pas du tout bien. Salut, allô? Oui, comment ça va? Est-ce que tu es libre? Oui, 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 rappelle-toi de l'événement que je t'avais parlé. Oui, j'aimerais que tu sois mon invité. Ah ah! Qu'est-ce que tu fais? Ok, oui, 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 oui. Ok, oui. Tu t'arranges, n'est-ce pas? Tu appelles une autre fille. Ah, ah. Ok, je vais te voir bientôt, ok? Ok, ça va. Ok, ma chère. D'accord, bye. Jerry, ça, c'est un manque de respect. C'est quelle bêtise, ça? Pour ça? Jerry, tu appelles une autre fille. Salut bébé, qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, ça ne va pas. Attends, es-tu en train de pleurer? C'est quoi le problème? C'est chérie. Bébé, c'est chérie qui me met dans tous ces états, je ne sais pas. S'il te plaît, sois d'abord calme, ok? Trish, s'il te plaît, tu dois m'aider. Tu dois m'aider à quitter cette maison avant que tu me fasses du mal, s'il te plaît. Trish, s'il te plaît, tu peux venir dormir chez toi juste pour une seule nuit, s'il te plaît. Oh, si c'est le problème maintenant, malheureusement pour toi, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, je t'ai dit la vérité. Je suis désolée pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Par là, tu veux dire quoi? Ça serait un peu compliqué, je t'ai dit vrai. Donc, elle ne sentira pas vraiment possible. Je dois te laisser, je suis un peu occupée. Bye. On s'appelle après. Au juste, qu'est-ce qui s'est passé?
Excuse-moi. S'il vous plaît, je pense que ça ne va pas. Je peux me joindre à vous? Si vous voulez. Juste, va-t'en. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur, va-t'en. Je veux juste vous aider. Quel est ton problème? C'est quoi ton problème? Je ne suis pas l'une de ces filles qui vient à nos bars pour chercher... Hé, hey, calme-toi. Je n'ai pas dit cela. Que je me calme? Que veux-tu dire par calme-toi? Qu'est-ce que tu sais à propos de moi? Pourquoi tu me demandes de me calmer? Je fais quoi? Tu sais ce qui m'est arrivé? Tu sais ce que Jerry m'a fait? Il a demandé à mon meilleur ami de partir avec lui. Il a préféré appeler mon meilleur ami de partir avec lui. Et tu l'as debout, tu me demandes de me calmer, hein? Qu'est-ce que tu connais à propos de moi? Je ne voulais pas dire ça. Je ne suis pas bien habillée, je ne suis pas sexy. Non mais dis-moi. Doucement. Je ne suis pas belle pour lui, c'est ça? Je ne suis pas belle pour sortir avec Jerry. Je suis désolée, d'accord? Dis-moi, tu ne sais rien à propos de moi et tu es là debout en train de me dire de n'importe quoi. Ne le répète plus jamais. Ok, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. J'ai juste constaté que vous n'êtes pas... Désolée, vraiment. Désolée. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de ça. Parlez-moi juste, n'est-ce pas? Tu penses que tu as besoin de quelqu'un? Quelqu'un à qui parler? Dites-moi. Et qui pourrait t'écouter? Voici ma carte. Vous pouvez juste m'appeler. Parlez avec moi parfois. Si vous voulez parler, d'accord? Et vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je vais prendre soin de ça. C'est ça ton problème. Allez, donne-moi ça. Ah, ok. Jerry, je sais que tu es là. S'il te plaît, peux-tu ouvrir? Nous devons parler. S'il te plaît, viens ouvrir. Trish? Et pourquoi tu es surprise? Lorsqu'on causait au téléphone, je t'ai dit le contraire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Trish. C'est toi qui es honteux ici. Oh, tu m'as juste giflé à cause d'un homme. Et tu veux que je réplique pour que ça devienne une bagarre. Regarde-moi cette fille. Je ne me bats pas pour ce qui m'appartient. Les jeunes hommes ont besoin de se réjouir. Sœur Ali, toutes ces pressions ne t'amènera nulle part. Elle ne quittera pas cette place. Et tu es là comme sa femme. Tu te ressembles, tu fais la lessive et arranger même le lit. Tout ce que tu fais, laisse-moi te dire, tu ne le fais pas pour ton bien. Oui, il ne t'a jamais demandé de faire ça. Alors maintenant que tu sais que tout ça ne peut retenir un homme, et maintenant il a trouvé une autre personne. Jeune fille, fais fonctionner ta tête, ok? Bonne nuit.
Allô, tantine. Et salut, Issa. Comment vas-tu? Non, je vais pas du tout bien, non. S'il te plaît, tantine, puis-je venir chez toi pour passer la nuit? S'il te plaît. Issa, tu connais très bien ma situation, ma chérie. Hein? Je sais, s'il te plaît, je peux venir. S'il te plaît, Issa, comprends-moi, ma chérie. Tu ne m'avais pas averti, hein? Tu devais me le dire un peu plus tôt, s'il te plaît. Ne le prends pas mal, mais je dois d'abord parler à mon mari. S'il te plaît. Réveille-toi, c'est le matin. Réveille-toi. N'essaye plus jamais de me toucher et c'est pour ton bien. Eh oh, qu'est-ce que tu dis? Ok, je comprends ce que tu dis, mais ne m'incite pas. Je n'ai rien à faire avec toi, toi là. Réveille-toi et sors dehors. Quoi? Tu es en train de me bouder? Ça ne dérange pas. Jerry, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas frapper à la porte? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu devenue sourde? C'est ça? Comment est-ce que tu veux que je te passe cette information? Parce que je vois que tu as un problème. C'est fini entre toi et lui. C'est fini! C'est fini, oh! C'est fini, bébé. C'est pas toi que je parle. Je te parle. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey! C'est mon homme. Tu parles à mon homme. Oui! Tu sais? Tu sais, je peux parler à tout le monde, mais pas à ceux qui volent. Voler? Oui. Comment est-ce que je peux l'appeler? Hein? Comme une amie. Tu es venue te loger chez moi. Je te disais que j'ai un colocataire. J'ai demandé à mon petit ami de te faire loger ici. Qu'as-tu fait? Tu l'as séduit en torsionnant à la maison. En arrangeant même son lit, hein? C'est tout ce que tu as trouvé bon, c'est ça? Je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais su que vous étiez ensemble. Tu ne me l'as jamais dit, Trish. Mais il est là présent. Chérie, tu ne me l'as jamais dit? Comment j'étais supposée savoir que vous étiez ensemble? Bien, maintenant que tu sais, qu'est-ce qu'on peut te dire? Nous sommes maintenant ensemble et pour toujours. Écoute, bébé, tu dois quitter cette maison aujourd'hui. S'il te plaît, tu peux partir. Pars, s'il te plaît. Card. You know, you can just call me sometime to want to talk, okay? Just.
Comment est-ce que tu trouves la maison? Waouh! Avec toute la décoration, messieurs, en tout cas, je ne sais quoi dire. Je suis heureux comme tu as aimé la maison. Vraiment? Non, aimer, c'est un peu peu. J'ai adoré. Jessine, partons visiter la cuisine. Oui, monsieur. Jason? Oui, monsieur. Est-ce que tu connais Alfred Hitchcock? Il a dit, le bonheur, c'est une petite maison, mais avec une cuisine large. Laissez-moi ajouter quelque chose. Un écrivain avait dit que si tu organises la cuisine, tu peux organiser ta vie. Ah! Je pense que c'est mieux cette citation. Fils, je commence à me donner raison, comme si on a quelque chose en commun. Tu sais faire la cuisine? Oui, je peux essayer, je peux préparer quelque chose. Peux-tu t'imaginer un garçon paresseux? Je dois aller maintenant. D'accord. Hmm? Merci, monsieur. Je dois les répondre à un rendez-vous. Tantine, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas encore? Issa, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Hein? N'as-tu pas honte? Comment tu peux transporter 200 qui ne te servent à rien? Si j'étais à ta place, ma chérie, écoute-moi, j'allais faire de l'argent. Ah, je n'ai pas pour plus des hommes, je te dis. Tu peux les utiliser pour avoir de l'argent auprès des hommes, ma chérie. C'est quoi avec toi? Tu n'es là que pour te plaindre à cause d'argent. Tout fier à quoi? Ah ah, tontine. Comment je suis supposée savoir que tout ceci allait arriver? Comment ne pas savoir? Dis-moi non. Comment tu pouvais pendant que je passe ton temps inutilement en parlant français par-ci, par-là? C'est quoi avec toi? Issa, honte à toi. Même ta maman dans sa tombe, elle a honte de toi. Elle a vraiment très honte. Tout fier, quoi. Juste pour rien. Je ne te blâme pas, tout est gratuit chez toi. Et alors, Charles? C'est qui, Charles? Hmm? Tu viens de mentionner Charles. C'est qui, Charles? Moi, j'ai parlé de Charles. Oui. Ha! C'est toi qui l'as causé. C'est toi qui m'as désorienté, hein? Je n'arrive plus à bien réfléchir. J'allais parler de celui qu'on appelle Jerry. Qui est, pas de Charles, hein? Qui est encore Charles? Je ne le connais même pas. C'est quoi ça? Je voulais parler de Jerry. Tu vois, celui-là va prendre l'argent chez lui. Cet argent qu'il va payer, tu pourras aller avec. Non, 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 tontine, s'il te plaît, je ne veux pas de problème. Je sais très bien que Jerry ne va pas vouloir payer cet argent, je le sais. Laisse-le comme ça, s'il te plaît. La ferme! La ferme! Chi! Il ne va pas bien. C'est tout ce que tu sais faire, parler français. Tu vois cet argent, s'il ne le paye pas, il va le vomir par la bouche. Oui. Tu peux maintenant t'installer. Merci, monsieur. Au cas où tu trouves mieux de faire un changement, sois libre. C'est ta maison. Laissez-moi ajouter quelque chose. Un écrivain avait dit que si tu organises la cuisine, tu peux organiser ta vie. Allez, Jessie, sois libre. Pourquoi m'appeler monsieur, monsieur, monsieur? Tu peux m'appeler oncle. Je pense que ça va m'arranger. Très bien. D'accord. Merci. Je prends congé de toi. Très bien. Très d'accord. Bien. Prends soin de toi. Merci, monsieur. Ok, un instant. Ah, ah. Doucement, non? Arrête, non. Ok, ça va. Désolée. Oh, c'est bien ça. Belle femme. J'attends seulement... Oui? Tu sais, j'ai pensé qu'on peut aller en vacances. Je dirais, avec tout ce qui est arrivé, nous devons nous reposer. Oui, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Mais écoute, tu dois un peu me laisser le temps que je puisse me concentrer. D'accord, ok. Où est-ce que tu veux que nous partons?
Paris. Oh. Tu attends quelque chose? Non. C'est qui encore? Laisse-moi aller. Non. Voir. Je vais aller voir. Ah ah. Personne dans cette maison. C'est qui? Hein? Vous n'entendez pas très bien? Apparemment, ils n'entendent rien. Tantine, vas-y doucement, non? Je vais casser cette porte. C'est qui? Qui? Hein? Qui encore? Je vais casser cette porte. Isabelle, bien sûr. Hein? Elle est là dehors avec une femme en sang. Je vais la faire tomber. Oh. Ah ah. Venez-vous d'ouvrir la porte. Dépêchez-vous. Oh. Je vais casser cette porte. C'est toi qui as causé tout ça. Comment? Tu es le responsable de tout ça. Je t'ai supplié, je t'ai demandé de loger une personne ici. Et qu'est-ce que tu as fait en retour avec elle? Et tu connais combien les filles de ces villages sont naïves? Écoute bébé, j'avais dit que je suis désolé. Mais c'est toujours de trop. Non, je l'ai dit à maintes reprises. C'est toujours de trop. Tu n'as même pas voulu me respecter tout en faisant cela. Bébé, je pars le voir. Il n'y a personne ici pour venir ouvrir la porte. Dépêchez-vous, je viens casser la porte. Oh. Voulez-vous que je la casse? Ouvrez vite, je vous en prie. C'est quoi avec vous? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade. C'est lui qui a ton argent. C'est toi qui as ton argent. Allez, va vite. Ça, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça, madame? Donne-lui son argent aujourd'hui. Donne ton argent. Qu'est-ce que tu prends? Entrez ici, entrez. Je ne comprends rien. Tantine, arrête ça. C'est quoi ça? Vas-y doucement. Si je te chiffre. Ah ah! Peux-tu imaginer ceci? Hé, madame, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas? Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous me laisser avant que je ne fasse quelque chose que vous pouvez regretter? Qu'est-ce qui te retient? Vas-y, fais-le. Fais-le. Ça, c'est quoi? Vas-y, fais-le. Fais-le. Fais-le maintenant. Ma soeur, tu es enceinte. Hein? Allez-y doucement. Hé, madame, écoute. Tu deviens trop dramatique. Ce que tu fais m'agace déjà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles. Ne cherche pas ma gifle. Si je le fais, tu ne vas pas aimer. Tu vois l'argent que tu lui dois? Tu vas le payer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Tu vois l'argent que tu as dépensé avec tes histoires de... Si c'est crypto, quoi là, je m'en fous. Tu le payeras aujourd'hui. Si le bitcoin n'a pas payé, je m'en fous. Ça m'est égal. Paye l'argent aujourd'hui. Ma sœur, tout ceci n'est plus nécessaire. Nous devons partir. S'il te plaît, arrête ça. Écoute, allons-y. Cette dame est folle. Elle est folle. N'écoute pas ce qu'elle dit. Elle est folle. Moi, je suis folle. Moi, folle. Là, il veut exagérer. Hein? Gozi. Ces messieurs exagérés, non? Attends un peu. Hey, cette maison est très jolie. Oh. Hey, Isa. Je le verrai, mon enfant, ici, oh. Cette maison est très jolie. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai même pas l'argent pour aller payer à l'hôpital. Je viens de trouver l'argent. Hey, vous serez donc ma banque. Je vais prendre tout ce que je veux d'essayer dans cette maison. Issa, assieds-toi, non? On est venu prendre ton argent. Assieds-toi. Attends, tu blagues avec moi? Regarde le téléphone. On vendra celui-ci. Hein? On vendra celui-ci. Laisse-moi d'abord reposer ma hanche ici. Allume ma sœur, s'il te plaît. Arrête ça, je t'en supplie. Arrête. Donne le téléphone. Ma sœur, tout ceci n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux? Arrête ça. Prenons juste l'argent et partons. Qu'est-ce que tu veux me dire? Exactement. Peux-tu amener cette femme dehors? Amène-la dehors, s'il te plaît. S'il vous plaît. Tu veux mettre cette femme hors de cette maison? Tu as traité ma tante de folle? De stupide, je n'ai rien dit du tout. Et là maintenant, tu oses ouvrir ta bouche pour la demander de sortir dehors? Tu as oublié tout ce que tu m'as fait? Tu es devenu fou? Tantine, tu sais ce qu'on va faire? Je t'ai entendu dire que tu amènes l'enfant, ok? Je vais aller préparer bien, oui. Pour toi quelque chose de très bien. Nous allons préparer dans cette maison. Hein? Oui. Qui ça? On va préparer. Tantine. Tu vas faire ce que je t'ai appris, oh. Tu vois les gens qui restent dans des ghettos n'aiment pas trouver ce genre d'opportunité. Tu peux tout prendre. Vas-y. Nous allons préparer dans cette maison tout ce que tu voudras. Dans cette maison, je vais te le donner. Tu peux prendre toute la cuisine, tu ne payeras rien. Allons-y. Pose pour quoi? Vas-y, ma chérie. Issa, mets-la. Ma soeur, viens, laisse-moi aller préparer pour toi. Tu penses que tu es sage? Tu penses que tu es plus intelligent? Mais on verra, chérie. Ma soeur, viens. Allons-y. Ça n'a pas de sens. Je suis là pour toi. Je suis avec toi. Parce que tu es venu prendre ton argent ici.
Tu peux faire tout ce que... Ne partez pas là-bas. C'est quoi ça? Qu'ils osent seulement te toucher. Ils verront, je suis là. Tu vois? Tu as vu ça? Tantine, viens, viens, viens. Tu as dit que tu as fait un espace. Mmh. Voilà la casserole. Attends, je vais te chercher... Attends. Il n'y a pas attends, de pâte. Quoi, la pâte? Voilà, c'est ça. Il y a la nourriture ici. Mais oui. Ah, vas-y, sors ça, non? Attends, tu vas le préparer. Oh, attends. Allez, tontine, doucement. Oh, attends, doucement, doucement. On va préparer ça et ça, je partirai avec à la maison. Oui, j'emmènerai ça. Attends. Ça, c'est le riz et l'offre, hein? Et... Issa, ici, apparemment, il y a tout le monde. Il n'utilise pas comme ça. On doit le préparer. D'accord, ma chérie. Elle fait ça très bien. N'oublie pas les épices. Hein. Issa, et aussi la tomate. Hein? Oh, arrête, non. Arrête de manger la tomate. On va préparer avec ça. Ça fait quoi? Mais je peux manger, non? Tantine, es-tu sûre que ça va marcher après tout ça? Tu as un sang très chaud. Je t'avais demandé de rester calme. Tu vois ces gens-là? Je veux me charger d'eux. Oublie ce qu'ils disent là. Tu vois leur français là? Je veux très bien me charger d'eux. Nous allons manger leur nourriture, tous ces œufs, nous allons les finir. Nous mangerons aujourd'hui ou demain et nous allons tout finir dans cette maison. Tout ce qu'il y a là-bas, vas-y, prépare-le, nous allons les manger. Ils verront du chaud, je te dis. Ok. Hey! Laisse-moi regarder. Il faut beaucoup de piment, oh. Vraiment. Hey! Fais ça rapidement, non, toi aussi. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Je commence à me fatiguer, oh. Penses-tu être toujours ici? Tout en restant calme. Zuma, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Donne-leur l'argent, qu'elle parte. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas. C'est combien cet argent? 40 000. 40 000 naira? Chérie, tu es sûr? Écoute, bébé, je ne voulais pas te le dire bien avant. Mais je suis bloqué, je n'ai pas cette somme d'argent maintenant. C'est dans quel pétrin que je me suis mis. J'attends aussi l'argent quelque part. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je vais essayer que tu m'apprennes de l'argent, je vais te les restituer après. Tu es en train de blaguer. Je vais te les restituer. Pourquoi tu refuses? Le bébé qui est dans mon ventre a maintenant très fait haut. Hey. Isabelle, écoute, j'ai besoin de causer avec toi. Pourquoi? Je vais causer avec toi en privé. Je refuse, c'est pas question de privé ici. C'est lui en public et non en privé. En privé, en privé. Va prendre l'argent et emmène-le nous ici. Tout ce dont tu vas lui dire, vas-y, dis-le maintenant ici. Vas-y, dis-lui. Hey, Ewo, regardez les pains. Vous avez tout dans cette maison. Isabelle, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tantine. Attends. Pourquoi tu as ce visage? Hein? Veux-tu me dire que Tantine, je vais un peu l'écouter? Tu veux avoir pitié de lui? C'est comme ça que les gens jouent avec toi. Ils t'utilisent pour ne rien te donner. Ils font tout gratuitement. Vas-y, parle, je t'écoute. Tantine, s'il te plaît, juste laisse-moi écouter le bêtise qu'il veut me dire. Vas-y, je t'attends ici. Avant ton retour, je finirai tout ici. Ne touche pas. Je crois que je ne vais pas m'éclater. Hein? Même si je m'éclate, ça ne va rien faire, juste pour aujourd'hui. Hey, cette maison est pleine de nourriture. Regardez Maggie, oh. Regardez Maggie. Écoute bébé, premièrement, je voudrais dire que je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolé pour quoi exactement? Tu es désolé pour quoi? Oh, je sais comment tu te sens.
Oh, c'est vrai? Non, tu ne l'es pas. Tu ne sais pas comment je me sens. Jerry, s'il te plaît, tu as demandé à me voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, c'est concernant l'argent. Je n'en ai pas avec moi ici. C'est ce qu'on a toujours fait. Donne-moi seulement une semaine. La semaine prochaine, je vais te les restituer. Jerry, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Cet argent, j'en ai besoin parce que je dois prendre mon propre appartement. Alors donne-le-moi. Bébé, tu ne peux pas trouver la maison avec 40 000 naira ici en ville. Tu as vu tes 40 000 naira? Ce n'est pas ton problème. Moi, j'en ai besoin. Juste donne-moi mes 40 000 naira. Ok, bébé, écoute, je suis désolé. Ok, tu sais quoi? Rentre d'où tu viens. Va faire ta valise, viens rester ici. Si je trouve l'argent, je vais te les restituer. Non! Jerry, tu es stupide. Pour qui tu me prends? Pour une folle? Non, mais tu penses que je suis stupide? Tu penses que tu peux me contrôler et m'utiliser comme bon te semble? Parce que je me suis tenue à toi. Tu sais quoi? Tu vas me donner cet argent parce que je ne sortirai pas de cette maison sans cet argent. Tu vas me le donner. Point final. C'est fini. Elle a tout dit. C'est conclu. Assieds-toi. Prends ça. Hein? Tu ne fais pas bien les choses. Tu ne sais pas comment vibrer. Laisse-moi te l'apprendre. Assieds-toi, nous allons prendre un petit verre. Vas-y, assieds-toi. Ne me rappelle pas cette fille stupide. Elle veut entrer là où elle n'est pas la bienvenue. Peux-tu imaginer? Crois-moi non, bébé. Crois-moi ton bébé. Je vais en finir avec elle. Merci beaucoup. Merci. Elles sont parties. Elle dit qu'elles ne doivent pas quitter sans argent. Je ne te comprends pas. Mais hier, tu t'es occupée à gaspiller de l'argent dans la fête. Tout en te faisant voir. Et maintenant, je n'ai même pas une petite partie de cet argent. Bébé, tu te sens comment quand tu vois ton mari? On lui réclame l'argent. Toi et moi savons que si c'était Trisha, elle n'allait pas accepter ce genre de bêtises. Sinon, elle devrait restituer. S'il te plaît, excuse-moi. Ne me dis pas ce que tu me dis là. Même si c'est comme tu l'as dit là, tu devais normalement garder l'argent parce que tu savais bien qu'ils allaient être là. Tu penses que je planifie lui donner cet argent? Tu crois que je pourrais lui remettre cet argent si ce n'est que par pitié de cette femme enceinte qui est dans cette maison? Écoute, chérie, Isabelle est une femme méchante. Elle ne comprend rien. Ok, bébé, tu sais, pardon, je t'en supplie. Pouvons-nous régler la situation afin de stopper les bruits? Je t'en supplie, s'il te plaît, n'es-tu pas fatiguée? S'il te plaît, réglons vraiment cette situation, s'il te plaît, je t'en supplie, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Tantine, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Tu es assez classique et tout. Je ne comprends pas. Ouh! Issa, je n'ai jamais goûté à une bonne vie. Mais ça là, c'est une autre histoire. Vraiment? On dit souvent, partout où tu peux te retrouver, si l'environnement ne change pas, tu peux aussi le changer. Hey, c'est quoi la signification de tout ça? S'il te plaît, portons un toast, non? Ça fait longtemps qu'on a tu as raison. Oh, la vie est belle. La bonne vie. Et la prospérité aussi. Avec nous. Toast. C'est très délicieux. Allez, mange. Tu veux la sauce? Si nous terminons, tu pourras aller prendre la soupe que tu désires. C'est quoi avec toi aussi? S'il te plaît, supplie-les de partir. Bien! Mettez votre numéro.
Tantine, mettez votre numéro. Oh, doucement. Ferme-la. Tu n'as pas encore fini? J'aime prendre mon temps. Tu aimes bien prendre ton temps? Tu n'as qu'à te dépêcher avant que le rejet ne puisse s'échapper. S'il te plaît, dépêche-toi d'abord. Fais ça. Fais les transferts. Vas-y. Rassure-toi de mettre le nom. Ok. Si je vais, je peux aussi prendre un selfie dans ce téléphone. Donne-moi mon téléphone. Je n'ai pas encore terminé. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Ah, tu fais ça. C'est bien. Envoyez. Vous pouvez sortir maintenant. Tu as dit sortir? N'ose plus dire ça. Oh. L'argent que tu viens de payer, c'est pour quel intérêt? C'est pour lui demander de sortir de chez toi? On ne bougera pas d'ici. Tout ce que tu as fait de la cousine là, non, pas laisser ça. Oui, c'est on va partir. Oui. D'ailleurs, on va manger ça avant de partir d'ici. Nous allons tout manger. On va manger. Ils vont sentir. Je suis enceinte. Hein. Si tu me touches, tu vas aller à la police. Je suis enceinte. Je dirais que tu vas commettre un meurtre. J'aime prendre mon temps. Oui, vas-y, prends ça. Vas-y, tu peux faire tout ce que tu veux, ma chérie. Vas-y. Oh, ma chérie, porte-toi un toast. Vas-y. Oh, je suis très contente. Hey. Tu as laissé autre chose? Ah, attends, je vérifie. D'accord, nous emmènerons d'autres. Hein? Confirmé. Bien. Est-ce que bien. Tu as déjà fait écoutez, l'argent? Je ne veux plus voir quelque part acquiser mon homme. Vous m'écoutez? Restez loin de lui, loin de lui, loin de mon mari. N'importe quoi. Ah bon? Monsieur, tu es partie? Oh mon Dieu. Acclamons pour elle. Acclamons pour elle. Oh mon Dieu. Elle est aussi en train de parler comme si c'était son mari. Oh, c'est ton petit ami. Oh, cette fille, elle est vraiment très bête. Elle est vraiment bête. Franchement. Elle est comme une vache. Comme écoute, une vache. C'est une question de 5 mailles. Mm. Tu vas faire 10 millions de mailles. Tu vois l'homme à qui tu avais donné ton pauvre argent? Il a beaucoup d'argent, ma chérie, regarde. Si tu réfléchis bien, regarde tout ce qu'il a dans cette maison. Regarde cette maison comment elle est. Il y a tout dans cette maison. Si tu prends tout ce qu'il y a ici, qui va te poursuivre? Dis-moi, personne ne le fait parce qu'il a ton argent. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans cette maison. Nous prendrons tout ce qu'on voudra, ma chérie. Vas-y, mange. Mange très vite. Hey, mon Dieu, oh, je n'arrive maintenant plus à bien manger. Désolée. Je suis en train de manger. Le porc. Oui, les porcs. Porc. Porc. Et tu laisses ton corps là. C'est toi qui me fais ça, oh. Regarde l'environnement. Tu vois ce que l'environnement fait, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tantine. Tu vois pas qu'ici ton homme est riche? Ah ah. 46 000 naira. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour gagner 40 000 naira? Il t'a payé tout ce qu'il te devait, non? Peut-il encore emprunter? Non. Mais comment tu dis qu'il n'est pas riche? Qu'est-ce qui te prend? Dis-moi un peu. Qui peut encore bien t'orienter? C'est Abacha. Mais oui, mais si tu ne penses pas, maman Ngozi peut aussi nous aider avec quelque chose. J'irai vraiment la supplier chez elle. J'achèterai deux par deux. Comme ça, je veux voir ensemble avec toi. C'est ce que je voulais te dire. Oh. Alors, tu dois comprendre tout ça. Hey, vas-y, mange chez moi. Ça fait 3 jours que je n'ai pas préparé. Fais de ton mieux de manger. Fais vraiment un effort. Mange. Tu ne fais que penser à l'argent. Tu me disais que le garçon ne voulait rien de toi. Voulait-il te faire? Ah! Mais il t'a payé. Tu fais la tête comme s'il y avait... Ah, je ne comprends rien du tout. Oh. Oui, je viens juste de finir. Alors, comment tu vas, dis-moi? Ce n'est pas tellement grand, mais je suis là, t'inquiète. Essaye de deviner, tu vas trouver. Sur le téléphone, aussi. Très bien. Voyons comment cela va se passer. Bien,
je le ferai. Au revoir. Tontine, il ne décroche pas. Je te l'avais dit, il ne va pas décrocher. Tu es très négative. Hein? S'il ne répond pas, rappelle-le. Insiste. Dérange-le. Avant que tu n'arrives à 10 appels manqués, il va te répondre. Il le fera. Ne t'inquiète pas, oh. Appelle-le, il va répondre. Il ne décroche toujours pas et tu me connais très bien. Je n'aime pas trop insister. Je ne vais plus appeler. Ok, oh. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle comme ça. Hein? Tu ne m'avais pas dit que tu allais venir dormir chez moi. Hein? Laisse-moi te dire que ma chambre est trop petite. Elle est moins que ses chambres. Ça n'a pas cette mesure. C'est petit, oh. Je me coince comme ça toute la nuit. Hein? Chez moi, on ne dort pas comme ça. Oh. Mm-mm. Tout le monde dort des côtés. Juste d'un côté. Mais t'inquiète, oh, j'en parlerai à mon mari. On trouvera une solution. Je porterai un enfant sur moi. Et lui aussi portera un. Et toi, tu dormiras aussi d'un côté. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Ça va aller. Mm. Mm. Mais pourquoi tu as ce visage? Oh, ma chérie, t'inquiète. Ça va, non? Que je me donne la mort pour toi? C'est tout ce qui va arriver? Non. Écoute, tous mes voisins qui sont ici, calme-toi, non? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Dis-moi un peu. Je pourrais supplier mon voisin qui est juste ici à côté. Hein? Je veux parler avec lui-même pour juste un enfant. Je veux le supplier pour trouver une solution. Hein? Ah, tu veux dire, c'est là. Alors qu'est-ce que ça fait? Dis-moi. Ah. Tu penses que c'est lequel? Tu veux que j'aille chez celui-là? Celui-là a cet enfant, non? Ce serait impossible. Je dois aller chez celui qui a ne fils qu'un enfant pour que ça marche. Arrête de faire la tête. Ah ah. Laisse-moi te dire, fais pas la tête parce que tu risqueras de tout rater. Sois-toi s'il te plaît, je t'en prie. Hein? Vas-tu manger ça? Vas-y pour alors. Je n'ai pas de choix et je n'ai pas mangé. Pourquoi tu as mis tout ton argent là-bas? Parce que là-bas tout va finir. Tu n'as aucune idée. Je suis en train de prendre soin de tout ça. C'est comme un rêve. Je ne sais même pas à quoi dire. Sérieusement, mon cher, il faut que tu vois ça. Hein? Je ne pensais même pas que ça allait marcher. C'est vraiment un miracle de Dieu. Oui. Je suis en train de vous revoir. Peut-être le lundi, il y aura le temps. Voilà. Honnêtement, je pensais que tu vas voyager et tout sera sous contrôle. Profite du lundi, oh. Ah oui, j'ai compris. Mais je dois partir maintenant parce que j'ai quelque chose que je dois faire en ce moment. C'est pas mal, ce n'est pas mal en tout cas. Oui, allô?
C'est Jessica. On s'est vu avec toi l'autre fois dans un bar. Et tu m'as remis ton numéro, tu te rappelles? Je suis désolé, je ne pense pas connaître la personne avec qui je cause. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai loupé quelque chose vu que je ne connais pas comment tu parles, mais je me rappelle très bien. Allô, tu es là? Oui, bien sûr. Ah, je voudrais juste qu'on se voit et parler un peu. Je ne sais pas si cela te dérange. Je ne sais pas trop comment tu le trouves. Ok, c'est bien. Donne l'adresse et je viens te prendre. Ok? Je suis un peu loin et d'ailleurs, je ne sais même pas là où je suis. Je ne sais pas si cela va te déranger de venir juste là où je suis. Ce n'est pas un problème. Envoie-moi juste ta localisation et je viendrai te prendre là-bas. Ok, d'accord. Et merci beaucoup. Je t'en prie. Vraiment. Ok, ça va. Ok. Ce n'est pas un problème. Donne-moi l'adresse et je viendrai te prendre. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est bien. Donne l'adresse et je viens te prendre. Merci. Ok. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je vais aller me laver. D'accord. Bienvenue. Ok. Bienvenue. Nous voilà. Voici la maison. Merci d'avoir venu. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Prendre un bain ou bien tu veux manger quelque chose tu veux? Ok, merci beaucoup. Allô, ma sœur? Oui, je suis quand même arrivée à l'endroit en question. C'est comment l'endroit en question? Oui, c'est vraiment merveilleux. Oui, je vais juste dormir, je suis très fatiguée. Ne vas-tu pas manger? Tu dois très bien manger là-bas, oh ma chérie. Parce que ici chez moi, il n'y a pas de très bonne nourriture. Oh. Il n'y aura que le gari que tu mangeras jour et nuit. Je le sais. Et je te connais aussi. C'est lui qui est en train de frapper à la porte. Attends, je vois comme sur toc. Entrez, la porte est ouverte. Ma soeur, je vais te parler plus tard. Dans le téléphone. Tu veux quoi? Dans le téléphone. Oh, ok. Ma soeur veut. Très bien, passe-moi le téléphone. Allô? Je voulais te remercier pour ce que tu fais. Oh, Dieu seul va te bénir. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Ok. Prenez bien soin de vous. Oh. Ok, ma sœur, sois calme. Je vais te rappeler, ok? Voilà. Merci. Je t'en prie. Tu étais sortie? Oui, j'étais partie acheter la nourriture. Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter.
Oui, il n'y avait pas la nourriture. Alors, je ne l'ai pas pris seulement pour toi. Moi-même, j'ai tellement faim. Merci. Je t'en prie. À plus. Ok. Laisse-moi venir. Très bien. Hey. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va très bien. Tu es déjà prête? Oui, je l'espère parce que je veux partir. Très bien. Ok. Donne-moi juste 2 minutes. Je prends B et puis je t'accompagne. Je te dépose quelque part. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Ne t'inquiète pas. J'insiste. D'accord? Hein? J'y reviens. Je comprends pas, il ne prend jamais les téléphones directement. Tantine Gozi, décroche, non? Où est-ce qu'il peut bien déposer les téléphones? Bonjour, monsieur. Bonjour, tu es belle. Merci, monsieur. Où est Jason? Il est à l'intérieur. À l'intérieur? Oui, monsieur. Ok. Oh, oncle, bienvenue. Vous êtes là? Oh, Jesse. Oui, monsieur. Je peux voir que tu écoutes très bien mes conseils. Elle est vraiment belle. Ah non, c'est parce que vous pensez. C'est juste quelqu'un qui était un peu stressé, elle voulait passer nuit ailleurs. Rien de plus. Désolé, pardonne mes manières. Non, c'est pas grave. Je crois que j'avais mal compris les messages. C'est bon, c'est bon. C'est bien, je suis là pour que nous partons visiter les nouvelles sites. Ok. Ça, ce n'est pas un problème. On peut les faire, ce n'est pas un problème. Et j'ai oublié mon téléphone au-dessus là-bas, je reviens. Pas de problème. Comment ça va? Je vais bien, monsieur. Tu es très belle. Merci, monsieur. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Isabelle. Isabelle? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis écrivain. Tu écris? Oui. C'est vraiment intéressant, c'est très étonnant. Tu sais que ça prend beaucoup, écrire. Ça t'apprend l'émotion intellectuelle, physique, émotionnelle, ainsi de suite. Vous avez raison, mais je viens juste de vous parler. Allez, c'est vrai ça? Ça a toujours été comme ça les débuts. J'encourage. Très bien. Merci, monsieur. Je suis là. Ah, Jesse, tu es déjà là? Oui, monsieur. Isabelle, si ça ne te dérange pas, je vais vérifier quelque chose et je te reviens. Hein? Si ça ne te dérange pas, tu vois? Même prochainement, on va se voir. Jesse? La cousine est de l'autre côté. Partons déjà. La belle? Monsieur? Je vais te voir plus tard. D'accord, monsieur. Prends soin de toi. Merci. Allô, ma sœur. Allô, ma chérie. Hein? Ma sœur, bonjour. Allô, Issa. Comment s'est passée ta nuit aujourd'hui? Très bien. Mais je vais venir bientôt. Seulement maintenant? Oui. Qu'est-ce qui te poursuit? Ah,
Mais pourquoi tu dis ça? As-tu oublié que je suis supposée chercher la maison? N'est-ce pas que les gens sont en train de chercher pour nous la maison? Calme-toi. Dès qu'ils trouveront une maison, hein, je t'appellerai. Je connais très bien tes préférences, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Ne te précipite pas pour rien. Oh. Ma sœur, as-tu oublié ce que je l'avais dit que c'est juste pour passer une nuit dans cette maison? Dis-lui d'ajouter une autre nuit. Hein? Écoute ce que tu dis. Ah! Ah, je ne peux pas faire ça. Oh. S'il te plaît, reste bien. Je dois vendre à mes clients qui m'attendent déjà. S'il te plaît, je t'en prie. Oh. Encore une autre nuit? Non, je ne peux pas faire ça. No chance. No debt. The close-up prediction guarantees a win of 1 million naira every week. Remember, every round counts. Improve your leaderboard position every week and stay in the hunt to win the massive. Papa est parti? Oui, mais pas exactement. Alors, qui est-il pour toi? Mon propriétaire. Ton oncle? Hein? Mmh. Hein? Laisse-moi te préparer quelque chose. Ok. Veux-tu que je vienne? Non, ça va. Salut. Salut. Sois le bienvenu. Ouais. Alors, je vais faire un truc spécial. Un truc bon qui va vraiment te plaire. Quoi? Tu veux faire quoi? Mais te faire en manger. Oui, s'il te plaît, arrête ça. Laisse, je vais le non, faire. Non, 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 non. Ça, c'est ma spécialité. T'inquiète, calme-toi. Je vais le faire. Je sais que ça va. Mais s'il te plaît, laisse-moi le faire. Dieu sait, tu as beaucoup fait pour moi. Laisse-moi ne serait-ce préparer pour toi. Juste, permets-moi de faire ça, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Je te donne, tu prépares. Okay. Alors, moi, je veux attendre. Hein? C'est vraiment délicieux. J'apprécie beaucoup. Je suis contente que tu aies aimé. J'adore. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais au moment où tu savais très bien faire la cuisine comme ça? Tu es fou. Vraiment? Bien. Je suis un écrivain. Hmm? J'ai déjà écrit. Ça, c'est intéressant. Beaucoup d'histoires. Parfait. Bien, en tout cas, de partager la nourriture avec toi ensemble, tu trouves pas? Et puis, on en parlera, d'accord? Nous devons parler. Oui. Et de quoi veux-tu qu'on parle exactement? Bien, j'aimerais te connaître mieux. Ah, ok. Bien. Je dois prendre cet appel. Excuse-moi. Ma sœur, maintenant ça va, je suis là, on peut bien parler. Issa, c'est comment? Je vais bien, ça va. Tu ne lui as pas dit? Lui dire quoi, hein? Ah, n'est-ce pas que tu devais lui dire que tu n'allais pas dormir là-bas cette nuit? Ma sœur, on en est où avec les gens qui cherchent la maison pour toi? Ils n'ont pas encore vu ce que tu vas apprécier ou... Oh, ok, pas de problème. Je vais essayer de les appeler, ok? T'inquiète,
Tout va très bien se passer, ma chérie. Ça va bien aller. Amen, oh. Amen, ma sœur. Très bien. Bye. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. S'il te plaît, puis-je dormir encore une nuit dans cette maison? Je te promets, dès très tôt matin, je vais partir. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Rien du tout. Exactement. C'est tellement grand, nous sommes qu'à deux seulement. Bien sûr que tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Tu n'es pas sérieux, c'est ça? Non, je ne suis pas sérieux. Je suis en train de blaguer, tu vois. Assieds-toi et mange la nourriture. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est pas grave. Oui, ma sœur. Oui, il a dit que je peux rester aussi longtemps que je veux. Mais je ne peux pas être aussi confortable ici. Oui, parce que je ne vais plus répéter la même erreur que j'avais faite. S'il te plaît, tu dois prendre cette affaire de maison au sérieux. Je dois quitter ici. J'ai besoin de quitter ici pour aller dans ma propre maison. S'il te plaît. Ok, je te rappelle. Hein. Entrez. Merci. J'ai été apporté ceci. Et qu'est-ce que c'est? Je viens de la boutique de l'autre jour. La boutique de l'autre jour? Es-tu sûr que tu n'as pas pris ça chez ta petite amie? Mais je n'en ai pas. J'ai seulement voulu que tu puisses en avoir. Merci. Je t'en prie. Ok, je suis dans ma chambre. Merci. Je t'en prie. Tu es tellement belle. Je ne suis pas confortable avec. Tu penses que je veux te dévorer, hein? Je peux le voir sur ton visage, oui. Ok. Pardonne-moi, je suis d'abord focus. Assieds-toi, on parle. Tu
Que veux-tu savoir à propos de moi? Tout. Toutes choses que je peux connaître de toi. Tout ce que tu pourras me parler. Ok. Comme tu le connais, mon nom c'est Isabelle. Je suis la seule fille de mes parents. Ma mère est morte du cancer il y a quelque temps. C'est bon, tu n'es pas obligé de continuer, j'ai compris. C'est bon. La mort de ma mère a été le début de ma souffrance. Mon père a voulu se réfugier sur moi. Quand je refusais, il m'a mis hors de la maison. Quoi? C'est quel père, ça? Je n'ai nulle part à aller. La jeune sœur de ma mère, Tante Ngozi, elle vit dans un petit appartement. Elle essaye de se débrouiller elle-même. Honnêtement, je ne peux pas rester avec elle. Alors, j'ai dû aller chez mon amie Trish. Elle n'a pas pu me recevoir. Mais elle n'a pas pu me prendre parce que elle n'était pas la seule personne à vivre dans cette maison. Trish supplie Jerry de me prendre. C'est ce qu'il a fait. Quelques semaines après, moi et Jerry, on a commencé à nous côtoyer. Ce que je ne savais pas, Trish et Jerry avaient une relation. Et ils sont revenus ensemble, quoi. Et puis, le peu d'argent que j'avais gardé, j'essaie de voir si je peux prendre un petit appartement. C'est pourquoi je suis ici. C'est très bien ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour, oncle. C'était paisible. Et la tienne? Ah, elle va très bien. Elle va très bien. Oui, je l'ai fait. Je n'étais pas vraiment important dans ma famille. J'étais vraiment offensé quand j'étais encore jeune. Mon frère Tunedo a parlé à ses parents que je vive avec eux.
Il était gentil. Il suis resté avec eux pendant quelques jours. Tout était parfait, vraiment. Les choses avaient mal tourné lorsque il avait perdu son père. Et sa mère s'est encore remariée. Et je n'avais plus où aller. Je suis vraiment désolée. J'ai été scolarisée. J'ai fait aussi les études universitaires. Sans pourtant penser à me considérer que dehors était comme ça. Alors après ça, c'était un retour à la case départ. Et après ça, j'ai croisé encore Chinedu. Il m'a obtenu un travail. Laver le voiture. C'est ce que je faisais durant beaucoup de jours. Le monsieur que tu avais croisé hier. Ouais. Ce n'est pas mon oncle, comme je te l'avais dit. C'est un bon samaritain. Il aide souvent les gens. Il m'a donné cette place. Il l'a arrangé. Il m'a tout donné. Tout. Il a vraiment changé ma vie. Oh. Ma situation de vie, peu importe tu vas l'appeler, mais ça a pris une tournure qui va de grâce en grâce. Il a fait. Ok, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Souvent, on partait vérifier ses propriétés privées. On a visité des immeubles, même les immeubles les plus connus. Après ça, beaucoup de gens se sont intéressés. Mais dans mon cas, c'était différent. Alors, il m'a dit qu'il a trouvé à moi un enfant qu'il n'a jamais eu. L'enfant qu'il n'a jamais eu? Tu veux dire qu'il n'a pas d'enfant et nous aurons tous les biens qu'il a fait? On peut dire ça. Bien, je lui ai parlé à propos de toi et il est intéressé. Il pense que tu es intelligente et il aime les gens intelligents. C'est pour cela que tu m'avais attiré à la première fois. Es-tu sérieux? Oh, merci beaucoup. Je suis très contente. Oui, il est prêt à t'aider aussi. Je suis prête. Vraiment prête. Je peux me l'envoyer. Merci. Hein? Hey, as-tu reconnu ma maison? Hein? Hey, hein? Je t'avais dit de porter tes vêtements. Tu n'as pas voulu le porter, hein? J'avais tout apprêté pour vous, hein? Je reviens maintenant, ok? Je vais vous chercher vos vêtements. Ah, ah, c'est qui encore? Issa! Ma soeur, bonjour. Comment vas-tu? Allez à la maison, ok? Attendez, je vais vous amener les biscuits après, hein? Partez d'abord. Bonjour Issa, comment vas-tu? Oui, ça va. Issa, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai aussi une bonne nouvelle pour toi. Hein? Tu as une bonne nouvelle pour moi? Attends que je commence à te relater la mienne. Hein? Mon mari m'a apporté 15 000. Il m'a dit de te donner pour ton loyer. Waouh! C'est vraiment gentil de sa part. Que Dieu lui bénisse. Amen, oh, amen. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ma bonne nouvelle alors? Cet homme qui est venu ici dernièrement. Je viens de découvrir qu'il est un philanthrope et il m'a aidé à... Ah, ne parle plus! Ne parle plus! Je sais ce que tu veux dire par ces mots-là. J'ai très bien compris. Vas-y, parle alors.
Je suis là, je t'écoute. Ok, alors Jesse a dit, il a parlé à propos de moi et l'homme est prêt à aider. Il sera ici un moment. Hey! Il est d'accord pour t'aider? Tu vois ce que je te disais? Si je ne t'avais pas forcé de passer nulle là-bas, allais-tu rencontrer cet homme? Je n'allais pas le rencontrer, oh! Ne t'inquiète pas, ma sœur. Dans paix, tout ira très bien. Eh oh! C'est que je ressens maintenant. Je viens de mon shop, je suis venue prendre quelque chose ici à manger à la maison. En venant, j'ai vu Ogogo et Benny. Ils sont venus me saluer, alors j'étais très contente de le voir. Bye bye, je t'appellerai après, oh. Hey! Hey, ya! Entrez. Salut. Alors, je pensais que tu avais besoin de quelque chose pour ces changes. Alors, je t'ai apporté ça. Voyons, tu n'as pas à faire tout ça. Hein? Bien sûr, tu ne t'as pas à voir M. Charles okay. Juste comme ça. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie, qu'est-ce que tu lis? Mon livre. Ton livre, ok. Ça a une image particulière. D'accord. Ok. Vas-y. Je te promets que tu vas vraiment aimer. Mais tu dois me promettre que tu ne vas pas le lire. Ok, c'est pas grave, je vais commencer là où tu as commencé. Hein? Ok. Très bien. Ok, et ça a un titre intéressant. C'est vrai. ok. Merci. Je t'en prie. Hey, oncle, bienvenue. Merci. Jesse, comment ça va? Je vais bien, je vais bien. Ah. Qu'est-ce que tu lis? C'est son livre, en fait. Elle le lit souvent. Quoi? Isabelle? Oui. Son nom est écrit sur le livre? Oui, bien sûr. Il y a même son nom là-bas. C'est vraiment sérieux. Puis-je voir? Oui, bien sûr. Alors, je vais lui dire que vous êtes là en lisant son livre. Peux-tu imaginer? Doucement. Le voilà. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, ma chère. Tu as écrit ces livres? Oui, monsieur, je le fais. Tu as été inspiré de quoi? Monsieur, excusez-moi, je reviens. D'accord. Allô? Dis-moi. La vie. Il y a un adage qui dit « La vie est un grand livre dont tout le monde est en train d'écrire son histoire. » Honnêtement, je suis fier de toi. Vu ton ouvrage, c'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part. Tel que ce sujet délicat intitulé « La santé mentale ». Oh, c'est bien. J'aime ça. Merci. C'est vraiment bien. Qui est-elle? Oh, c'est ma mère. Philomène? Oui. Monsieur, comment connais-tu le nom de ma mère? C'est une longue histoire. Ok, alors, comment va sa sœur Ngozi? Elle va bien. Comment puis-je la rencontrer? Monsieur, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Tout va bien. Absolument. Mais, honnêtement, j'ai besoin de la voir. Ok.
Je vais prendre mon téléphone et puis je vais l'appeler pour toi. Oh, mon père. Oh. Allô? Maïssa, comment vas-tu, non? Le monsieur n'est pas venu. Eh wow. Si vraiment il désire me voir. Ha! Je viens alors. Hein? Tu sais ce qui va arriver, hein? Je viens de mon shop maintenant, là. Je suis venu manger quelque chose ici à la maison. Dès que j'ai fini ici, je vais rentrer pour me changer. Et puis je rentrerai au shop. Dis-lui de passer là-bas au shop. Il n'y a pas de problème. J'arrive. Moi, je vais très bien m'habiller. Tu ne crois pas en moi. Le Pharaon, tu me connais très bien. Bye bye. Hein? Tu fais là? Il veut me voir. Hey. Laisse-moi d'abord manger bien. Je sais pas quand est-ce que je finirai là-bas. Alors que je mange très bien avant d'aller où. Jessie. Jay. Oui, allô? Celle-ci, c'est la femme que j'ai toujours cherchée. Partout. Où puis-je? Je l'ai appelée, monsieur. J'ai eu du thérapeute de la maison de ma tante, n'est-ce pas? S'il te plaît, peux-tu aller la chercher pour moi? Je suis désolé, je ne pense pas connaître la personne avec qui je cause. Okay. Attends. Je reviens. Monsieur, vous avez besoin d'autre chose? Non, ça va. Ça va. Monsieur, si tu as besoin de quelque chose, je peux le faire pour toi. Je peux préparer pour Bienvenue. Toi. Bienvenue. À ta maison est toute belle. Tantine. Et puis les gens diront qu'il n'y a pas d'argent ici au Nigeria. Ça veut dire quoi avec ça? Tantine, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça, hein? Ok. Ne dis rien. Tu sais ce que tu dois faire? C'est entrer en mettre tes affaires maintenant là. Emballe tout et nous allons partir d'ici maintenant. Pourquoi? Va prendre tes affaires maintenant, nous allons partir d'ici. Écoute Ngozi, calme-toi. Parlons, s'il te plaît. Ne fais pas ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, Ngozi. Quand je t'ai retourné des États-Unis, quelques heures après, je t'ai venu chez toi. Ta sœur m'avait chassé, me disant que tu te réjouissais avec un autre mari. Un autre homme avec les enfants. Honnêtement parlant, quand je t'ai venu, elle ne m'avait pas dit que tu avais perdu notre bébé. Je n'ai rien à te dire. Espèce de bâtard. Ngozi, je mérite tout ceci. Honnêtement, je sais. Mais pardon, fais-moi faveur. Pardonne-moi, je suis désolé. Tu veux que je te pardonne? Et comment je peux croire à tout ce que tu viens de me dire? Comment veux-tu que je le croie? Honnêtement, tu peux demander à ta sœur. Je t'ai des retours. J'étais venu te chercher. Ma sœur. Ma sœur n'est plus en vie.
Elle est déjà décédée. Je suis désolé de ça. Je suis vraiment désolé. Je ne pense pas que c'est vraiment sage pour nous de parler devant ses enfants. Pardon. Entrons, causons dans la chambre. S'il te plaît. Pardon. Je suis désolé. Pardon, comprends-moi. S'il te plaît, entrons causer à l'intérieur. Pardon. S'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Je suis désolé. S'il te plaît, Ngozi, partons à l'intérieur. J'ai tout compris, s'il te plaît. Désolé. Désolé, s'il te plaît. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma tantine. C'est ma toute première fois de voir ma tante parler de manière fluide. Ngozi. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Je m'étais retrouvé moi-même devant plusieurs problèmes. Malheureusement, on m'avait fait arrêter. Oui, mais on m'avait libéré après. J'avais fait plusieurs travaux pour survivre, plus que trois. Et là, j'ai vraiment un problème sérieux. J'ai perdu mes contacts. Alors, je ne sais pas comment atteindre les gens au téléphone. Mais après une période de temps, j'avais eu de l'argent. Et j'ai décidé de rentrer au Nigeria et j'ai commencé à te chercher partout. Chercher mon amour partout. Mais je ne t'avais pas trouvé. J'ai finalement localisé ta sœur et elle m'a donné la nouvelle. J'avais fait tout ce qui est possible à un humain. J'ai essayé de lui dire de me permettre de te voir. J'avais insisté, mais elle avait refusé. Après une période de temps, j'étais rentré seul aux États-Unis. J'avais beaucoup de choses à faire. Vraiment, j'en avais beaucoup. Je n'avais pas le contrôle de mon téléphone. Oui. Mais dans ce téléphone, quelqu'un qui était perdu. Et c'est toi. Je ne pourrais pas t'es remplacé. Il y en avait d'autres femmes. Mais tu es irremplaçable. Es-tu en train de dire que tu n'es pas marié, que tu n'as pas d'enfant? Ngozi, je continue à être célibataire, sans enfant, sans femme. La vérité est vraiment que tu m'avais beaucoup manqué. Je t'aime toujours. Mais lorsque tu étais partie sans prévenir,
J'étais sans mots. J'étais frustrée. J'étais vraiment désespérée. J'avais la peine. C'était l'agonie. J'étais désespérée sans toi. Ça suffit. Je ne savais pas. J'étais partie chez ma sœur. Son mari était fatigué de moi. C'est par là que j'avais quitté leur maison. Bienvenue. C'est là-bas. Qui aurait cru que Monsieur Charles et ta tante se connaissent tous deux? Essayons de penser à ce qu'ils ont dit. Ils ont même eu un enfant ensemble qu'ils ont perdu. Ils ont dû avoir quelque chose de profond. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Je veux le savoir. Ta tante et moi avons une longue histoire ensemble. Oh, je peux le voir. Issa. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Et je suis très désolée de t'avoir gardé cela pendant plusieurs temps. Monsieur Charles est ton père biologique. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. Je n'avais pas perdu les bébés. Je l'avais donné à ma sœur parce que elle était stérile. Et sa situation causait des problèmes dans son mariage. Je ne pouvais pas. Ça suffit. Ne parle plus. De quoi est-ce que tu parles? Je suis désolée. Désolée, tu sais que j'ai toujours désiré ce qui est bien pour toi. Je suis tellement désolée. Je suis désolée. Le fait que tu m'as menti durant toute ma vie. Comment veux-tu que je l'accepte? Je suis désolée. Tu m'as menti toute ma vie et tu es là assise pour me dire que tu es désolée. Je suis désolée. Issa, tu sais que j'ai toujours voulu ton bonheur, s'il te plaît. Tu es méchante. Tantine, tu y es sans cœur. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu mentir? Je t'aime, s'il te plaît. Excuse-moi. Je suis désolée de papa. Je suis tellement désolée. Excusez-moi, monsieur. S'il te plaît, reviens. Isabelle. Isabelle, s'il te plaît, ouvre la porte. Bébé! Isabelle, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ouvre la porte, s'il te plaît.
Isabelle, je sais que tu peux m'entendre. Je sais que tu te sens vraiment mal. Je ne veux pas te voir comme ça. Et je n'arrive même pas à imaginer vraiment ce que tu ressens en ces moments. Je pense vraiment qu'on se réveille un matin et je me rassure que tu es à mes côtés, juste toi et moi. Écoute, je ne sais pas à quoi te dire exactement, mais si tu regardes le bon côté, tu considères tout ce que tu vois. Oui, les choses sont rangées. Ça allait de mieux en mieux jusque quand tu es venu. Petit juste, arrêtez de penser à cela. Juste pour une minute, s'il te plaît, si tu peux le faire. S'il te plaît, ouvre la porte. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. T'inquiète. Tu vois, arrivons jusque-là. Isabelle, nous sommes profondément désolés. Je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée. Tu sais combien je t'aime. Tu sais que je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Et c'est moi qui t'ai mise au monde. S'il te plaît, pitié. Pardonne-moi. Je peux même m'agenouiller devant ta fille. Oh, Ngozi, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tu dois d'abord dire que tu es désolé, il faut le dire. Qui? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il y a? Tiens-toi debout et partons vite à l'hôpital. Je peux bien gérer la situation. Va ouvrir la porte, va ouvrir la porte. S'il te plaît. S'il te plaît, Isabelle. S'il te plaît, Isabelle, pardonne ta mère. Je t'ai pardonné. S'il te plaît, ma fille. Tenez-vous debout. Tiens-toi debout. Allons-y. Allons-y. Oh Dieu. Doucement, doucement, doucement. Partons, partons à l'hôpital. C'est quoi encore? Doucement. Doucement. Vas-y, ne nous fais pas ça. Doucement, Ngozi. Doucement. 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 Doucement, nous allons arriver. Doucement. Sois forte, Ngozi. Sois forte. Sois forte. Sois forte, s'il te plaît. Partons, partons, partons. Continuons. Partons. Partons, s'il vous plaît. Partons. Soulève la jambe. Allez, partons. Lentement. OK? Lentement. Essaie de marcher lentement. Allez, lentement. Tu es vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Honnêtement, j'ai obtenu une relation aujourd'hui. Mais tu le pensais déjà, n'est-ce pas? Oh. Alors, je suis content pour toi, content pour tout ce qu'on a partagé. Je suis absolument sûr que
Je ne vais pas te voir partir loin de moi sans pourtant te voir. Parce que tu me complètes. Jessie, qu'est-ce que tu fais? Isabelle, cette vie, toute la vie que j'ai passée et les restes, j'aimerais la passer avec toi. Hein? Je t'aime beaucoup et j'aimerais que tu sois ma femme. Veux-tu m'épouser? Je peux pas. Je pense que j'aimerais le faire avec toi. Pour toujours. Je t'aime. Je t'aime aussi. Est-ce que je rêve? Oh. Issa. Oui. Issa, mon. Oui. Issa, ma chérie. Hey. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux exprimer ma joie. Mon futur beau-fils, veux-tu dire que tu veux me changer de maison? Oui. Ils m'enlèvent ici, oh, parce que je partirai avec tous mes amis. N'arrive pas là, s'il te plaît. Hey! Parle-moi de remercier mon beau-fils. Ne remercier pourquoi? Oh, non. C'est bon, c'est pas grave. Ne faites pas ça. Salut, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il s'en fait quoi? On n'a rien à te devoir et toi aussi tu n'as rien à nous devoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Jerry, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Isa, je suis vraiment désolé. Nous sommes venus te présenter nos excuses de la façon dont nous t'avons traité. Pardonne-moi. Nous sommes désolés, mais je suis profondément désolé pour toutes choses. Pardonne-moi. Isa, s'il te plaît. Allez, dégage d'ici! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ce n'est pas une mauvaise alerte. Hein? Allez, doucement. Laissant, calme-toi. Calme-toi, nous sommes à l'hôpital. Calme-toi. Calme-toi. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Doucement, doucement. Maman, doucement. Désolé, oh, désolé. Désolé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.